Allez, bravo, bravo. C'était samedi les Olympiades des quartiers à Mios. Une soixantaine de participants est venue défendre les couleurs de son quartier lors de jeux ludiques et familiaux au parc Birabeil. Et c'est finalement la Cano de Mios qui s'impose sur cette édition 2019. Bonjour, je m'appelle Mathieu Ferrand, j'ai 11 ans et demi et je représente le quartier de Lillet. Je m'amuse très bien. On s'amuse, il y a des copains qui sont là. On s'amuse tous bien ici, il y a différents quartiers qui s'affrontent et franchement c'est une super bonne après-midi. Mon épreuve préférée c'est le dessin et la course à la brouette. L'après-midi s'est bien passé. C'est parfait. La farine et l'eau c'est bien pour le soin du visage et la peau toute douce, donc je le conseille vivement. Si je suis chauvine, c'est le mien, c'est Mios West. Mais à la vue des scores, c'est plutôt la Cano qui gagne. Donc bon, bravo la Cano pour l'instant. Ah, ça s'est très bien passé, quoi. Bon, ça a été quand même très 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 difficile, hein, parce qu'il y a quand même eu quelques accrochements. Il s'est un peu agrippé à moi. Non, petite réaction. T'as surtout joué des coudes en fait pour espérer la victoire finale, ce que tu as réussi à faire. Ouais. Mais je te challenge sur la prochaine épreuve. Voilà. Et donc c'est la Cano qui a gagné, comme toujours, quoi. Allez, sans rancune. Bravo à vous. Le fair play avant tout. C'est une journée où tous les quartiers de Mios s'affrontent dans des épreuves sportives ou non. Donc typiquement, il y a des courses de garçons de café, il y a du tricot, une fresque de dessin pour les tout-petits. Donc en fait, c'est dédié à tous les âges. Et on s'affronte de façon à ce qu'un quartier gagne ces Olympiades-là pour organiser à son tour les Olympiades l'année d'après.